suite, oui. La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Oh là là, je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà. Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain, cuisine, très grand salon. Oh, il y a quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Oh, pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner le coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 87, 95, 92, 80. Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudents. Alors, vous venez. Suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? Il va bien finir par se lasser. Non, ce n'est pas la bonne technique. Eureka, je sais. Ok, et un, et deux, et trois.
Moi, j'ai un plan. Et cette fois, un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt. Guili guili. Guili guili guili. Go. Yes. Doudou. Tiens, tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, mais... oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment? Je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Mes patchs? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? C'est pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais. Ah,
Ah, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut! Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah! Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits.